Bonsoir à toutes et à toutes. tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième conférence de l'année 2020 du cycle énergie de l'association L'Esprit d'Archimède. Avant de vous présenter notre conférencier, Fabio Bello Norona, je tiens, au nom de l'ALEA, à remercier tout d'abord le service audiovisuel de la DIP, qui répond toujours présent, malgré l'incertitude hebdomadaire du confinement, pour nous permettre de maintenir notre cycle de conférences. Aussi nos partenaires, donc la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille, la Société géologique du Nord, la Société française de physique, ainsi que le Forum du département du Nord. Donc la conférence d'aujourd'hui va être présentée par Fabio Bello Norona, que je remercie chaleureusement de partager avec nous son expérience sur l'hydrogène vert décarboné, sujet d'actualité puisque l'hydrogène a été défini comme priorité nationale dans le cadre du plan de relance. Donc Fabio est membre de l'Académie brésilienne des sciences depuis peu, donc directeur de recherche à l'Institut national de technologie de Rio de Janeiro, et professeur invité sur une chaire Hauts-de-France à Central Lille Institute au sein du groupe de valorisation de la biomasse de l'unité de catalyse et de chimie du solide. Donc il a fait ses études à l'Université fédérale de Rio de Janeiro et a obtenu son doctorat en 1994 donc suite à une thèse donc dans le centre Copé qui est le centre d'excellence de recherche scientifique de l'Université fédérale de Rio. Et il est venu en thèse sandwich à l'Institut de recherche de catalyse à Lyon. Donc il a participé et il participe toujours à de nombreux thèmes de recherche tels que la conversion du gaz naturel en gaz de synthèse et en carburant, la production d'hydrogène à partir de la biomasse. Aussi, il travaille beaucoup sur les technologies de conversion de la biomasse lignocellulosique. Et bien sûr, il s'intéresse enfin aux anodes pour les piles à combustible à oxyde solide. Donc il est l'auteur de 200 publications environ, 4 brevets, 2 livres, dont un sur le potentiel de l'hydrogène comme vecteur d'énergie, mais écrit en brésilien donc, ou portugais, donc, que nous ne pourrons pas, donc à part le traduire, nous ne pourrons pas le lire en français. Donc il est maintenant temps de lui laisser la parole pour nous présenter un panorama complet et les défis à surmonter pour l'utilisation de l'hydrogène vert. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et je me ferai un plaisir de les poser en votre nom à la fin de la conférence. Bonne conférence, Fabio. Merci, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier le professeur Alain Rives et l'association Esprit d'Archimède pour l'invitation pour participer au cycle de séminaires. C'est un grand plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, je vais parler sur l'hydrogène vert et la décarbonisation. Bon, je vous présente le sommaire de ma présentation. En fait, mon sommaire, c'est une liste de questions que je voudrais avoir répondu à la fin de la présentation. Donc d'abord, je vais parler pourquoi l'hydrogène. Ensuite, quelles sont les utilisations d'hydrogène aujourd'hui. Comment l'hydrogène produit. Comment il est produit et quels sont ses impacts dans le climat. Quelles sont les utilisations de l'hydrogène vert aujourd'hui. Et puis après, je vais commenter sur la stratégie de l'hydrogène pour la communauté européenne. Quels sont les prix de l'hydrogène vert. Et les investissements futurs et à la fin, les conclusions. Je voudrais commencer ma présentation. Je voudrais démarrer ma présentation avec une courte vidéo sur le sujet d'hydrogène. Sur cette courte vidéo qui a été lancée, le film qui s'appelle Back to the Future de 1985. Marty, you've got to come back with me. Where? Back to the Future. I'm a huge Back to the Future fan. I need fuel. Especially all that crazy technology. That's why I got into science and ended up getting my master's in aerometallurgical engineering. I'm Misha, by the way, and I'm thrilled Toyota has picked me to meet my two heroes and show them an amazing piece of technology that might just inspire them, just like they inspired all of us. Hoverboards. We haven't gotten there yet. But we've got 3D movies. We got fingerprint technology. And those self-tying sneakers. I'm waiting for those.
Can you believe we saw fax machines still be around? Yeah, I got a fax machine. Who do you fax? Oh, I fax my agent, I fax. He's got a fax machine? Time to rethink your representation. Well, I'll fax you. I'll get back to you. This might be him. Hi, guys. I'm Misha. Michael. So you're like a real Doc Brown, huh? I wouldn't go that far, but I'm a scientist, yeah. So, October 21st, 2015. Can you believe this day's nearly arrived? What's the big deal? You invent a pizza hydrator or something? Flying cars? Hoverboard? Trash compacting robot? Almost. You remember the Mr. Fusion from the DeLorean? So that's why you had me bring this trash. So you could turn that into energy? Precisely. I'm going to show you how you could turn your trash into fuel for a car. But I'm going to need a lot more than this. I'll see you on the 21st. Later, Misha. I liked him. Got a pep in his step. Nice ride. Thank you. Who is that? Some film crew that paid for our trash. Power of love is a curious thing. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. More than a feeling, that's the power of love. Don't need money, don't take fame. Don't need no credit card, ride this train. Didn't have time to paint it or build it to scale, I see. That is the Toyota Mirai. It's a fuel cell car. It's powered by hydrogen, which in its monatomic form... English. Sorry. Let's start at the beginning. So when I last left you guys, I went on a little trash collection journey. You might recognize some of these locations. The end of the journey was at the landfill, where all the trash gets placed, decomposes, and produces an enormous amount of biogas. A special facility then receives the purified gas, combined with natural gas from the grid, where it all gets processed into hydrogen. Hydrogen? Are you telling me this sucker's nuclear? No, this sucker's electrical. All that hydrogen is piped or transported into a fuel station, where we can then fuel our vehicle. A vehicle which, if my calculations are correct, should be arriving right about now. Give me a minute. Right? You bet your ass it works. So you gonna take us for a spin or what? Hop on in. Shotgun. What do you say we get this baby up to 88? Just drive. Come on, Chris, give us a great Scott. Great Scott. Bon, certainement regarder ce film-là. Et à cette époque-là, j'étais étudiant en génie chimique à l'université et j'ai étudié toutes ces techniques pour la production d'hydrogène. Mais je n'imaginais pas à cette époque-là que l'hydrogène pourrait jouer un rôle tellement important comme on voit aujourd'hui, que c'est le futur pour ce film-là. Donc on va à la première question. Pourquoi l'hydrogène? Et pour cela, on doit retourner dans le passé, beaucoup plus longtemps, vers le 18e siècle, avant la révolution industrielle. À cette époque-là, l'homme utilisait les bois pour le chauffage ou même pour faire la cuisine.
Mais après la révolution industrielle, l'utilisation des machines à vapeur, on commence à utiliser le charbon. C'est-à-dire, c'est le début de l'utilisation des combustibles fossiles pour la production d'électricité. À partir de cela, de cette date, on commence à utiliser le charbon. Puis, dans le XXe siècle, on a commencé à utiliser le pétrole et aussi le gaz naturel. Mais quel est le problème de l'utilisation des combustibles fossiles? Pour la production d'électricité, on va aussi produire le CO2. Et donc, les émissions de CO2, l'augmentation des émissions de CO2 vont poser des problèmes très sérieux. C'est le problème qu'on appelle l'effet serre, c'est-à-dire l'augmentation de la température de la Terre. Et cela va être responsable pour tous les changements climatiques qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les sécheresses, des pluies diluviennes, donc l'augmentation de la température. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse réduire tous ces problèmes de changement climatique. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, on doit d'abord contrôler les émissions de CO2. Donc il y a plusieurs études qui disent qu'on doit contrôler la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Il y a plusieurs chiffres. Il y a ceux qui disent que ces chiffres doivent rester aux environs 450-550 ppm de CO2 vers 2050. Bon, mais n'importe quel nombre, quel chiffre qu'on a, le plus important c'est qu'on doit faire quelque chose. On doit réduire les émissions de CO2. Et pour cela, il faut faire une très forte réduction des émissions de CO2 dans les pays riches jusqu'à 2050. On doit, par exemple, réduire ces émissions aux environs 60 à 80% vers 2050. Mais pour que ces objectifs soient à atteindre, il faut changer complètement la façon qu'on produit, on fait la distribution et le stockage de cette énergie. Donc, on a une très bonne opportunité pour ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Bon, quelles sont les énergies renouvelables? On a d'abord l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique et l'énergie produite à partir de la biomasse. Bon, cette diapositive-là montre la quantité d'énergie renouvelable, l'électricité qui est produite à partir d'énergie renouvelable. Donc, environ 27% de l'électricité vient d'énergie renouvelable dans les années 2019. Le restant, c'est-à-dire 73% de l'électricité, vient d'énergie non renouvelable, comme par exemple les combustibles fossiles. Cette partie de l'électricité qui est produite à partir d'énergie renouvelable, on a à peu près 16% d'énergie hydroélectrique, 5,9% à partir d'énergie éolienne, 2,8% à partir d'énergie solaire et 2,2% à partir de la biomasse. Et le restant, c'est à peu près entre l'énergie géothermique et l'énergie d'océan. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise pas trop les énergies renouvelables pour la production d'électricité. Par contre, ce tableau-là, je voudrais vous montrer la partie d'investissement en énergie renouvelable. Donc ici, je vous montre les investissements qui ont été faits dans les années 2018 et 2019. Donc en 2018, on a eu à peu près 296 milliards de dollars qui ont été investis dans des énergies renouvelables. Et puis après, en 2019, on a eu 302 milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation des investissements dans les énergies renouvelables pendant cette période-là. Mais il y a aussi des chiffres très encourageux. Par exemple, ici, on voit que dans l'année 2019, je vous montre les investissements pour l'augmentation de la capacité d'énergie et production d'énergie électrique à partir des énergies renouvelables ou à partir du charbon, du gaz naturel ou même de l'énergie nucléaire. Et dans ce cas-là, on voit que la plupart des investissements ont été dirigés vers la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. À peu près 71% des investissements. Et seulement à peu près 9% pour le charbon et 12% pour les gaz naturels. Donc, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop
les énergies renouvelables pour la production d'électricité, mais quand même, on commence à avoir une augmentation des investissements pour le développement de ces énergies-là. Maintenant, je voudrais vous montrer la capacité installée dans les années 2018 et 2019 pour la production d'électricité à partir de différentes énergies renouvelables. Donc d'abord, on peut voir ici que, par exemple, si on prend l'énergie éolienne, on avait dans l'année 2018 à peu près 591 gigawatts de production d'électricité à partir d'énergie éolienne. Et puis après 2019, on a augmenté vers 651. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation significative de la capacité de production d'énergie à partir d'énergie éolienne. On peut avoir un autre exemple ici, l'énergie solaire. Donc l'année 2018, on avait à peu près 512. Et puis après, dans l'année 2019, on a eu 627 gigawatts de capacité installée d'énergie, d'électricité à partir de l'énergie solaire. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation de la capacité installée des différentes énergies renouvelables. Donc on a augmenté la quantité d'investissement, mais aussi la capacité d'installer d'énergie renouvelable. Maintenant, je voudrais vous montrer un autre exemple de la capacité de production d'électricité à partir d'énergie éolienne dans l'année 2019. On peut voir là que, dans ce cas, la Chine elle est le principal pays qui utilise l'énergie éolienne. Donc, à peu près 240 gigawatts dans l'année 2019. Puis après, on a les États-Unis qui ont à peu près la moitié de cette capacité installée d'énergie éolienne. Par rapport à l'Europe, on a beaucoup moins. Donc ici, on peut voir que dans le cas de la France, on a à peu près 7 gigawatts d'énergie éolienne à la fin de l'année 2019. Mais ici, je voudrais vous montrer que cette augmentation, elle arrive dans tous les types d'énergie renouvelable. Par exemple, on voit que c'est plus important dans le cas de l'énergie solaire, qui a augmenté beaucoup entre l'année 2013 et l'année 2019. Mais on voit aussi une augmentation de la capacité de production d'énergie, d'électricité à partir d'énergie renouvelable, énergie éolienne, dans ces barres bleues là. Okay? Et à la fin de l'année 2019, on a à peu près 200 gigawatts qui ont été additionnés dans la capacité de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation de la capacité d'installer des productions d'électricité à partir de différentes énergies renouvelables. Mais pourquoi c'est arrivé là? En fait, on voit ici, dans cette diapositive, qu'il y a eu une forte diminution du coût de l'électricité à partir des énergies renouvelables. Par exemple, quand on voit ici l'énergie solaire, on voit que dans l'année 2010, on avait un coût de production d'électricité aux environs de 378. Ces coûts de production d'électricité a beaucoup chuté jusqu'à 168 dans l'année 2019. Donc, c'est cette réduction de coûts de production d'électricité à partir des énergies renouvelables qui font que la capacité installée augmente pendant cette période-là. OK. Donc, on voit que la réduction du coût de production d'électricité à partir des énergies renouvelables a chuté pendant cette période, et donc ça va augmenter la participation de cette énergie renouvelable dans la matrice électrique. Et on voit donc que les énergies renouvelables, elles peuvent jouer un rôle très important dans la décarbonisation du système électrique global. Mais il y a un problème, parce que quand on commence à augmenter la participation de ces énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, on a le problème d'intermittence, c'est-à-dire, ça va dépendre du temps. Si on a du soleil, on produit l'énergie solaire, mais s'il n'y a pas, on a un problème. Donc, comment on peut résoudre ce problème-là? Quelle serait la solution de ce problème? Bon, en fait, la solution, c'est exactement l'hydrogène vert. L'hydrogène vert va jouer un rôle très important vers les énergies renouvelables. Par exemple, dans ce cas, comment que ça marche? Donc, on a la production d'électricité quand on a
par exemple, le soleil ou le vent. S'il y a un excès d'électricité, c'est-à-dire l'offre elle est plus grande que la demande, dans ce cas-là, l'électricité va être utilisée pour la production d'hydrogène dans les électrolyseurs. Les électrolyseurs vont produire l'hydrogène qui va être stocké dans les cylindres. Et puis après, quand on a une demande plus forte, cet hydrogène il va être utilisé par les piles combustibles pour la production d'électricité. Donc c'est ce couple-là, hydrogène et pile combustible, qui va jouer un rôle très important pour la décarbonisation. En fait, l'hydrogène et la pile combustible sont fondamentales pour le développement des énergies renouvelables et pour la décarbonisation du système électrique. Donc, quelles sont les utilisations de l'hydrogène aujourd'hui? En fait, les utilisations d'hydrogène aujourd'hui sont les mêmes que j'avais étudiées dans l'université de 1985. Ça n'a rien changé encore, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas encore l'hydrogène comme une source de stockage. Donc, les principales utilisations d'hydrogène aujourd'hui, c'est surtout pour les raffineries, pour les hydrotraitements de pétrole, aussi pour l'hydrogénation de huile et de graisse, pour l'industrie pétrochimique, par exemple, pour la production d'ammoniac, la synthèse de méthanol, et aussi dans les processus métallurgiques. Mais on n'utilise pas l'hydrogène comme combustible ou comme pour le stockage d'énergie. Ici, je vous montre la demande de la production d'hydrogène pendant les périodes 1975 jusqu'à 2018. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de la demande d'hydrogène pur, mais surtout pour les raffinages et la synthèse d'ammoniac. Donc, on ne voit pas encore la participation d'hydrogène renouvelable dans les processus. Une curiosité, la demande d'hydrogène, l'Europe est responsable pour 20% de la demande d'hydrogène aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quelle est la participation de l'hydrogène dans la matrice? En fait, la plupart de l'hydrogène est produit à partir du gaz naturel, à peu près 75%. 23% correspond à l'hydrogène qui est produit à partir de la gazification du charbon. Et seulement 2% de l'hydrogène est produit à partir de l'électrolyseur. Donc c'est très peu et ça ne change pas beaucoup la situation de production d'hydrogène aujourd'hui. Ici, c'est seulement pour montrer que l'hydrogène, la participation d'hydrogène dans la matrice électrique elle est très petite aussi. Ça correspond à peu près à 2%, c'est moins que 2%, donc ce n'est pas trop encore. Mais ça doit changer. Bon, maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment cet hydrogène est produit et quel est l'impact sur le climat de ces technologies de production d'hydrogène d'aujourd'hui? D'accord? Bon, il y a différentes technologies de production d'hydrogène et chaque technologie, on a des émissions de CO2 associées. Il y a aussi un coût associé à cette technologie. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que l'hydrogène, on donne de différentes couleurs à l'hydrogène en fonction de la technologie de production. Donc, on a différentes couleurs, par exemple, marron, gris, bleu, turquoise, gris, green, vert. C'est l'hydrogène vert, c'est le sujet exactement de cette séminaire-là. Donc, on va parler sur des différentes technologies de production d'hydrogène aujourd'hui. D'abord, il y a l'hydrogène marron. C'est l'hydrogène qui est produit à partir de la gazification du charbon. C'est une technologie mature qui a été utilisée, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la production de combustible pour les avions ou bien pour les tanks. Mais le problème, c'est qu'il y a une très forte émission de CO2. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'hydrogène gris. C'est l'hydrogène qui est produit à partir du reformage du méthane. C'est la plus importante technologie pour la production d'hydrogène aujourd'hui. Donc, on a des grandes usines qui produisent de grandes quantités d'hydrogène. Mais, par contre, on a encore une production significative d'émissions de CO2. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Bon, l'hydrogène bleu, en fait, c'est utilise les mêmes technologies pour la production d'hydrogène marron ou gris, c'est-à-dire on utilise la gazification du charbon ou les reformages du méthane, du gaz naturel.
Mais en fait, on associe à ces technologies une nouvelle technologie pour la capture et la séquestration de carbone, c'est-à-dire la technologie CCS. Donc, la stratégie ici, c'est d'éviter les émissions de CO2 vers l'atmosphère à travers de la capture, le stockage de ce CO2 dans les formations géologiques, par exemple, dans les réservoirs de pétrole et de gaz naturel épuisés, ou l'océan, ou même les aquifères salines. Donc, l'avantage qu'il y a pour les compagnies pétrolières, c'est qu'ils continuent à utiliser le pétrole et le gaz naturel pour la production d'hydrogène, mais on réduit les émissions de CO2 quand on utilise ces technologies de capture et séquestration de CO2. Donc, on ne va pas changer l'infrastructure qu'il y a aujourd'hui pour la production d'hydrogène. Donc, cette technologie, qui, comme j'avais dit, c'est bien connu, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on ajoute cette technologie de capture et séquestration de CO2, on a un problème. D'abord, il y a une augmentation de la consommation de combustible. Ça peut arriver jusqu'à 40%. Et en plus, il y a aussi une augmentation du coût de l'énergie, qui peut arriver jusqu'à 91%. Donc, pour que la production d'hydrogène bleu soit compétitive, il faut une très forte réduction du coût de production. En plus, il y a un autre problème, parce que ce type de technologie va résoudre une partie des émissions de CO2, c'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont dans les grandes usines, par exemple les usines de raffinerie ou même des usines thermiques pour production d'électricité. Mais ça correspond seulement à une partie, à moitié des émissions de CO2 aujourd'hui. L'autre moitié, elle vient du secteur du transport et des résidences. Et dans ce cas-là, cette technologie, elle n'est pas appropriée parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans ces conditions-là. Donc, même si on arrive à réduire les coûts de production d'hydrogène avec ces technologies-là, il y a encore un problème à résoudre de l'autre partie des émissions de CO2, surtout dans les secteurs de transport. Il y a encore, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène turquoise. Dans ce cas-là, on fait la décarbonisation des combustibles fossiles à partir de la production de carbone solide et non pas les CO2 gazeux. Donc, cette stratégie elle est basée dans la décomposition des hydrocarbures en hydrogène et carbone. À partir de cette réaction-là, par exemple, ici, on voit la décomposition du méthane, on produit le carbone solide et l'hydrogène. Donc, la séparation de l'hydrogène du carbone elle est très facile de les faire. Donc, on produit les carbones, différents types de carbone. Dans ce cas-là, dans cette image de microscopie à balayage, on peut voir, par exemple, la formation de filaments de carbone. Donc, on produit l'hydrogène gazeux et le carbone solide. Ce carbone solide, il peut être utilisé pour différentes applications. Je vous montre ici, dans cette figure-là, des différents types de carbone qui peuvent être produits à partir de cette technologie. Le problème de cette technologie, c'est que le coût final de l'hydrogène va dépendre du prix de vente de ce carbone. Et le problème additionnel, c'est que le marché de carbone il est très limité. Donc, pour que cette technologie soit compétitive, il faut trouver de nouvelles applications de carbone et aussi une croissance de ce marché de carbone pour que le prix de l'hydrogène produit puisse être plus petit, plus bas. Finalement, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. C'est l'objectif de cette séminaire-là. L'hydrogène vert, il est produit à partir de l'électrolyse de l'eau en utilisant l'électrolyseur et l'électricité qui a été produite à partir des énergies renouvelables comme énergie solaire, énergie éolienne. Donc, on n'a pas des émissions de CO2. On a zéro émission de CO2, de carbone, et on produit un hydrogène très pur, sans des impuretés qu'on peut avoir quand on utilise la production d'hydrogène marron ou le gris. Donc, il y a plusieurs types de technologies d'électrolyseur, et je vous montre ici l'électrolyseur alcalin, il y a aussi l'électrolyseur de type PEM, qui c'est en fait c'est l'inverse d'une pile de combustible de type PEM. Bon. Chaque électrolyseur a sa efficace et ça, c'est très important pour le coût final de l'hydrogène.
Mais on peut aussi produire cet hydrogène vert à partir du reformage du biogaz, par exemple, que c'est un mélange qui contient du méthane et du CO2, ou aussi à partir de la conversion de la biomasse en utilisant des micro-organismes. Donc, pour les reformages du biogaz, le biogaz, il va être on aura cette réaction-là de méthane avec le CO2 et on va produire l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Et puis après des étapes de purification, on va obtenir l'hydrogène pur qui peut être utilisé, par exemple, comme combustible. Et il y a finalement l'hydrogène qui peut être produit à partir des biodigesteurs. Donc on a la fermentation anaérobique qui va faire la conversion des composés organiques en gaz tels que le méthane et le CO2 en présence de différents micro-organismes. Donc je vous montre ici les différentes étapes de digestion anaérobique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer seulement qu'à la fin, on a la production de méthane et CO2, le biogaz. Mais si on arrive à stopper cette réaction avant, c'est-à-dire si on fait le développement des micro-organismes qui arrivent à ne pas réaliser la méthanogénèse, c'est-à-dire on arrête ici avant, on va produire l'hydrogène aussi, sans la production de biogaz. Donc, ce sont les différentes technologies de production des différentes couleurs d'hydrogène qu'on a aujourd'hui. Bon, mais quelles sont les utilisations d'hydrogène vert qu'on peut utiliser dans le futur? Bon, cet hydrogène vert, il va jouer un rôle très important dans la décarbonisation du système électrique, surtout dans la partie dans les secteurs où cette décarbonisation ne peut pas être faite à partir d'électrification, c'est-à-dire, par exemple, les secteurs de transport, les poids lourds, par exemple. Donc, cet hydrogène vert, il peut réduire et remplacer l'utilisation d'hydrogène dans les raffineries, par exemple, pour la production de l'ammoniac, la synthèse de méthanol. Il peut aussi partiellement remplacer les combustibles fossiles dans certaines industries, comme par exemple l'acier ou les ciments. Et en plus, cet hydrogène peut aussi être utilisé dans le secteur de transport. Dans ce cas-là, l'hydrogène va être utilisé comme un combustible. Et dans un secteur où l'électrification est très difficile, par exemple, dans les cas des bus ou des poids lourds, on ne peut pas utiliser des batteries parce que c'est trop lourd. Donc, c'est la seule option, c'est utiliser l'hydrogène vert, par exemple. On peut aussi mélanger l'hydrogène avec du méthane. Et finalement, on peut utiliser l'hydrogène dans les piles à combustible pour les véhicules légers, par exemple. Bon, on parle beaucoup sur les piles à combustible. Donc, je voudrais vous présenter un petit peu sur ces sujets-là. Donc, la pile à combustible, c'est un dispositif qui va faire la conversion de l'énergie dans une réaction chimique dans une énergie électrique. Donc, on a une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène, on produit l'eau et l'électricité. Donc, quand on parle de pile à combustible, on pense toujours dans des véhicules. Donc, c'est tout simplement pour montrer comment cette pile à combustible elle est placée dans un véhicule. Donc, on a là les moteurs. C'est un moteur électrique, on a la pile à combustible et on a ici cette cylindre. Cette cylindre va contenir l'hydrogène qui va être fourni à la pile à combustible et donc on va produire l'électricité pour le véhicule. Et ça, c'est la plateforme de Toyota Mirai que vous avez vu dans la courte vidéo que j'ai passée au début de cette présentation-là. C'était exactement au moment qu'ils ont lancé cette véhicule Toyota Mirai. Bon, quand on parle de véhicules à pile à combustible, on pense toujours de faire a comparaison avec les véhicules électriques à batterie. C'est vrai que, par exemple, ça, ce sont les chiffres de l'année 2019, on avait à peu près 7,2 millions de véhicules à batterie. Par contre, aux États-Unis, on avait seulement 7600 véhicules à pile à combustible. Donc, c'est vrai qu'on a encore très peu de véhicules
à pile de combustible et d'hydrogène, mais ça va changer au fur et à mesure que cette technologie va être développée. Et en plus, il y a aussi des avantages d'un véhicule à pile de combustible et à batterie. En termes d'autonomie, le temps de recharge et le prix de la batterie. Et tout ça, c'est dû au fait que l'hydrogène il a une densité d'énergie beaucoup plus haute que la batterie à lithium. C'est-à-dire 120 à 300 fois plus grande que la densité d'énergie de la batterie à lithium. Et ça va donner... c'est très important quand on pense de l'autonomie du véhicule. Donc, par exemple, pour les combustibles à pile, les véhicules à pile à combustible, ils sont beaucoup plus légers que les véhicules à batterie. Et ça, cette différence-là, elle augmente au fur et à mesure qu'on augmente l'autonomie du véhicule. Donc, c'est sûr que les poids, par exemple, des véhicules électriques, ils vont dépendre beaucoup de la distance à être parcourue. Et dans les cas de véhicules à pile à combustible, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, on a pas mal d'avantages pour l'utilisation des véhicules à pile à combustible et l'hydrogène. Mais il n'y a pas que les véhicules légers pour qui utilisent la pile à combustible. On a eu un projet culte qui a utilisé 27 bus à pile à combustible dans 9 cités de l'Europe pour faire une espèce de proof de concept de cette technologie dans les bus. Et on a aussi l'utilisation de piles à combustible dans les résidences, dans les centres commerciaux, les hôpitaux. Et il y a différents types de piles à combustible pour chaque application. L'idée pour le futur d'utilisation de cet hydrogène vert, c'est aussi pour notre vie quotidienne. Donc, la vie dans la ville. Okay? Donc ici, c'est un exemple d'une ville au Japon, Kitakyushu, qui a testé l'utilisation d'hydrogène vert dans les résidences, pour les véhicules, les stations de service, les shopping. Donc, c'est à peu près ce qu'on imagine d'utilisation d'hydrogène vert dans le futur. Donc, je voudrais vous montrer une autre petite, courte vidéo d'un exemple d'utilisation d'hydrogène dans la vie quotidienne de cette ville-là, de Kitakyushu, au Japon. Hydrogen is gaining support as a new source of clean energy with no carbon emissions. It plays a central role in the Hydrogen Town project launched in 2011 by HISAT as a technical demonstration in the city of Kitakyushu. Hydrogen stations supply the town with byproduct hydrogen from steel plants. Commercial and public facilities, as well as homes, are installed with pure hydrogen fuel cells that generate all their energy. Each building is connected to a 1.2 kilometer long hydrogen supply infrastructure that uses gas pipelines. Providing crucial support to this project is Toshiba's technology. In one part of town is a demonstration house that runs on hydrogen. The home's energy is being supplied by Toshiba's pure hydrogen residential fuel cell. Toshiba's fuel cells run entirely on pure hydrogen and do not emit any carbon dioxide. They also take little time to start up and offer a high energy conversion efficiency of 50%. This pure hydrogen fuel cell is paving the way for Toshiba to help homes contribute towards a zero carbon hydrogen based society. 節電に対する意識とか環境に対する意識とかは変わりましたね。はい。自分で節電行動をしていくうちに、CO2 量も極力減らせるんだなって実感できて、この子が暮らす将来に対しても大きなプレゼントになるのかなって思ったりはします。はい。
This home improvement center in Hydrogen Town has a pet shop where electricity generated from hydrogen is used for boiling water and heating. Once again, it is Toshiba's fuel cells producing this energy. Using hydrogen supplied by pipelines, these fuel cells generate power all across Hydrogen Town. Toshiba's fuel cells are manufactured at a plant in the company's Yokohama complex. Both fuel cell stack assembly and fuel cell unit container production take place at this plant, which is capable of producing over 30,000 units a year. 東芝では1970年代からリン酸型燃料電池システムの開発の歴史があります。この中で培われました技術をベースにしまして、今後予想されます水素社会へ向けて純水素型燃料電池の開発にも力を入れています。Toshiba currently supplies pure hydrogen fuel cells to projects such as Hydrogen Town that are working towards a hydrogen-based future. As the use of hydrogen car refueling stations spreads and byproduct hydrogen from more factories gets recycled, Toshiba will continue to promote the development of pure hydrogen fuel cells. トシガスに限らずですね、国産の天然ガス、あるいはプロパンガス、さらには純水素といったような形で、多くのエネルギー源を利用することができる。 当社が目指します水素社会っていいますのは、水素を作る、ためる、そして有効に使うと、この3つの視点からですね、全体としての優れたエネルギーマネジメントを提供していけると、そういうことを考えております。A safe, secure, and more comfortable way of life. A low carbon society where local energy use is balanced with clean energy. And more consideration is given to the environment. That is Toshiba's smart community vision. Donc cela, c'est un autre exemple d'utilisation de l'hydrogène vert pour la décarbonisation du système électrique. Donc vous avez vu qu'on peut utiliser l'hydrogène pour comme un combustible dans les stations de service pour l'alimentation des véhicules à pile de combustible. On peut utiliser l'hydrogène pour faire le chauffage des résidences. Donc, ce sont des secteurs où l'électrification elle est difficile. Donc, on peut utiliser l'hydrogène vert pour faire la décarbonisation de ces secteurs de transport et même les secteurs résidentiels. Il y a un autre exemple très intéressant qu'on va voir cette année, parce que les Jeux olympiques de Tokyo, ils ont été cancellés l'année dernière à cause de la pandémie, et donc ils auront lieu cette année. Et c'est très intéressant comment que le gouvernement japonais veut réaliser ces Jeux olympiques, c'est-à-dire il veut promouvoir l'utilisation d'hydrogène dans la société. Donc, par exemple, la torche, qui va être amené par les athlètes dans plusieurs villes et même à Tokyo, elle va être alimentée avec l'hydrogène. Et il y a un commentaire très intéressant du préfet de Tokyo qui dit que dans les Jeux olympiques de Tokyo de 1964, l'héritage c'était les Shinkansen, c'est-à-dire les trains à haute vitesse. Et pour ces Jeux olympiques-là de cette année, l'héritage pourrait être l'hydrogène, l'utilisation d'hydrogène dans une société. C'est très intéressant de ce point de vue du préfet de Tokyo. Donc, pour les Jeux olympiques, on aura à peu près 100 bus à pile à combustible qui vont rouler dans la ville de Tokyo pour amener les athlètes pour les stades pour les compétitions. Il y aura aussi des véhicules légers, comme les Toyota Mirai, qui a à peu près 500 de ces véhicules à pile à combustible pour faire les transports des staff, les VIP, pour les Jeux olympiques, pour les Jeux aussi. Mais d'où vient tout cet hydrogène-là? C'est intéressant parce qu'ils ont pensé de construire cette usine qui, en fait, utilise des panneaux solaires pour la production d'électricité. Et cette électricité, à partir des électrolyseurs,
va produire l'hydrogène, c'est un hydrogène vert qui va donc être transporté vers les gazoducs jusqu'à Tokyo et pour produire l'électricité dans par exemple les villes olympiques. Mais le plus intéressant, c'est que cette usine qui utilise l'énergie renouvelable, ils ont construit à Fukushima. Si vous vous rappelez bien, en 2011, il y a eu la destruction de l'usine nucléaire à partir du tsunami qui a eu lieu là-bas. Et donc, ils ont, au lieu de reconstruire l'usine nucléaire, ils ont construit cette usine qui utilise l'énergie renouvelable à partir de l'énergie solaire. Donc, c'est très, très intéressant la vision du futur que les Japonais ont par rapport à l'utilisation de l'hydrogène vert dans sa société. Donc, cette usine elle a une capacité de 10 000 kW et elle peut fournir l'hydrogène pour 150 maisons ou pour 560 véhicules à pile combustible. Donc, comme j'avais dit, cet hydrogène qui est produit dans cette usine-là, il va être envoyé pour les stations de service et pour la production d'électricité dans les résidences pour les athlètes dans les villes olympiques. Donc, à voir cette année-là l'utilisation d'hydrogène dans cette échelle là. Et en fait, l'hydrogène vert. Bon, mais il y a des problèmes, il y a des défis, bien sûr. Un des plus importants problèmes, c'est exactement le manque d'infrastructures pour la distribution d'hydrogène. Et ça, c'est très important parce que les prix final d'hydrogène va dépendre beaucoup de prix pour de distribution de cet hydrogène. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a, c'est la production d'hydrogène dans des grandes usines. C'est ce qu'on appelle la production centralisée. Donc on produit l'hydrogène, par exemple, dans les raffineries pour les raffinages de pétrole, mais on les fait d'une façon centralisée. Dans le futur, on doit produire cet hydrogène d'une façon décentralisée. Donc, l'hydrogène il va être produit à côté de l'endroit où il va être utilisé. Donc, par exemple, si on a une station de service, on aura un électrolyseur qui va faire la production d'hydrogène, qui va être stocké, et puis après, si on a des véhicules, on va fournir cet hydrogène pour ces véhicules-là. Donc, on doit changer complètement la manière, la façon qu'on fait la distribution de cet hydrogène. Et ça, bien sûr, il y a un coût pour cela. Et c'est très cher. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'État de Californie, c'est l'un des États des États-Unis où on trouve plus d'investissements sur l'hydrogène et piles à combustible, on a seulement 43 stations de service à hydrogène là-bas. Par exemple, un autre exemple, ici en Europe, en Allemagne, on a à peu près 83 stations de service d'hydrogène, de façon qu'on peut rouler avec une voiture à pile à combustible à travers toute l'Allemagne sans problème d'abastissement, sans problème de manque d'hydrogène. Donc, mais bien sûr que c'est la quantité de stations de service elle est encore très petite. Par rapport à la France, la situation c'est à peu près la même, c'est-à-dire on a seulement 71 stations de service en opération ou en construction, donc ce n'est pas beaucoup non plus. Mais c'est la même situation partout, dans tous les États, dans tous les pays de l'Europe. Donc il faut vraiment faire des investissements pour augmenter cette infrastructure pour la distribution d'hydrogène, de façon qu'on puisse utiliser l'hydrogène vert partout. Il y a un autre problème aussi, c'est le coût de cette technologie, c'est-à-dire les piles à combustible sont très chères, parce que les stacks de piles à combustible ils utilisent des métaux nobles, donc c'est très cher. Donc il faut changer ces métaux pour qu'on puisse baisser les prix de la technologie. Donc il faut avoir des recherches de façon à trouver d'autres matériaux pour la construction des stacks de piles à combustible, pour la réduction du coût de la technologie. Mais il y a aussi le problème du prix de production d'hydrogène vert, qui c'est aussi très cher. Aujourd'hui, par exemple, la International Energy Agency a dit que le prix de l'hydrogène vert il doit varier entre 3 et 7,50 dollars par kilo. Par contre, le prix de production d'hydrogène à partir du reformage du gaz naturel, c'est aux environs de 90 centimes jusqu'à 3,20 dollars par kilo. Donc, l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui à partir du reformage du gaz naturel, c'est-à-dire l'hydrogène gris, il est beaucoup moins cher
l'hydrogène vert. Donc il faut développer la technologie de production de cet hydrogène vert de façon à réduire le coût de production de cet hydrogène. Et le coût de production d'hydrogène vert, il dépend beaucoup du prix de l'électricité qui est produite. Ça, c'est le problème. Et donc, il faut réduire les coûts des électrolyseurs pour qu'on puisse produire l'hydrogène à un plus bas prix. Donc, il faut pas seulement augmenter la capacité des électrolyseurs, mais aussi augmenter l'efficience, l'efficacité. Aujourd'hui, cette efficacité elle est aux environs de 60 à 80%. Donc, il faut augmenter. Surtout quand on pense qu'on peut produire cet hydrogène vert pour l'utiliser dans le cas des piles à combustible, qu'il y a aussi ces pertes. Ils ne sont pas négligeables, ils sont environ 50%. Donc, pour qu'on puisse augmenter l'efficacité totale de cette technologie-là, il faut vraiment qu'on augmente l'efficacité des électrolyseurs. Et ça, on peut l'obtenir si on fait le développement de nouveaux électrolyseurs, de nouvelles technologies, par exemple l'électrolyse à plus haute température, ou même si on augmente l'échelle de l'électrolyseur. Bon, je voudrais parler un peu sur la stratégie pour l'hydrogène de l'Europe. L'année dernière, la Commission européenne elle a publié un document sur la stratégie de l'Europe vers l'hydrogène. Donc, ce document-là, il va décrire quel est le rôle de l'hydrogène dans l'économie de l'Europe pour qu'on puisse atteindre la neutralité de carbone vers 2050. Donc, pour cela, l'hydrogène, il faut augmenter la production d'hydrogène. De cet hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, c'est vraiment le focus de cette stratégie. C'est-à-dire, pour qu'on puisse arriver à faire la décarbonisation de l'économie, il faut augmenter la participation d'hydrogène vert dans la matrice énergétique de l'Europe. Donc, le but de cette stratégie est de faire la décarbonisation de la production d'hydrogène et aussi d'augmenter l'utilisation de l'hydrogène vert dans plusieurs secteurs, comme par exemple même l'industrie ou même le secteur de transport, pour le remplacement de combustibles fossiles. Donc il va falloir des investissements de à peu près 400 milliards d'euros jusqu'à 2030 en électrolyseur, des énergies renouvelables et dans l'infrastructure de gaz. Par exemple, du côté de l'électrolyseur, on doit avoir à peu près 35 milliards d'euros en électrolyseur, 65 milliards pour l'infrastructure de gaz et à peu près 280 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. Donc, c'est beaucoup. Hein. Il faut aussi un investissement dans les électrolyseurs. Par exemple, pour qu'on puisse passer d'une capacité de 40 gigawatts vers 500 gigawatts en 2050, il faut augmenter les investissements de 33 milliards d'euros vers à peu près... Je ne vois pas bien, mais... il faut une augmentation significative des investissements dans les électrolyseurs. Il faut aussi augmenter la capacité de production de ces électrolyseurs. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près 60 MW et on doit passer à 500 GW en 2050. Donc, comme ça, si on arrive à augmenter cette capacité des électrolyseurs, on peut baisser les prix de l'électricité et donc baisser les prix d'hydrogène vert produit. Donc, ce document-là, cette stratégie d'hydrogène pour l'Europe, elle est divisée en trois étapes. La première phase, entre 2020-2024, la deuxième phase 2025-2030, la troisième phase 2031-2050. Bon, pour la première phase, le but c'est de faire la décarbonisation de la production d'hydrogène qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire d'augmenter la capacité des électrolyseurs pour qu'on puisse produire l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui.
Donc, cet hydrogène va être utilisé dans les raffineries ou même dans les industries pétrochimiques. C'est-à-dire, on aura à peu près 6 gigawatts d'électrolyseurs qui vont produire à peu près 1 million de tonnes de l'hydrogène à partir des énergies renouvelables. Dans la deuxième étape, on va faire l'installation d'à peu près 80 gigawatts pour la production d'hydrogène vert, c'est-à-dire à peu près 10 millions de tonnes d'hydrogène vert. Dans ce cas, l'hydrogène va être utilisé dans les industries, comme par exemple l'industrie acier, ou pour les transports, les poids lourds, les bateaux. Mais on va commencer à utiliser l'hydrogène pour faire les balances entre l'offre et la demande d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Donc ça correspond à peu près, c'est ce que je viens de dire ici pour la phase 2. Il y a la troisième phase, 2031-2050. Donc les technologies de production d'hydrogène vert, ils vont atteindre la maturité. Donc on aura la production de l'hydrogène vert dans une grande échelle. Et l'hydrogène il va être utilisé partout, pas seulement pour les industries, par exemple les raffineries, mais aussi pour les industries qui sont très difficiles de faire la décarbonisation. Ce sont des industries qui travaillent et qui ont des procédés à plus haute température. Mais aussi, on va utiliser l'hydrogène dans les centres commerciaux, dans les édifices, dans les résidences, les hôpitaux. Ça serait à peu près c'est ce qu'on a vu avec les dernières vidéos. Donc l'hydrogène qui est utilisé partout. C'est la société d'hydrogène du futur qui peut arriver, selon ces documents de la communauté européenne, vers les 2050, si on fait tous les investissements qu'ils ont décrits ici. Donc on aura une grosse demande d'hydrogène vers 2050. Donc l'hydrogène il va être utilisé pour la décarbonisation du secteur de transport, si on utilise les piles à combustible. On aura aussi la décarbonisation des industries, comme j'avais dit. Et on commence à utiliser l'hydrogène pour produire l'électricité. Dans ce cas-là, on va avoir à peu près entre 5 et 10% d'électricité produite en Europe à partir d'hydrogène vert qui a été produit par énergie renouvelable. Donc l'hydrogène il va jouer un rôle très important pour la décarbonisation de l'économie européenne jusqu'à 2050. Ici, c'est justement pour montrer, par exemple, qu'est-ce que c'est facile de faire la décarbonisation, ou est plus facile de faire la décarbonisation. Donc ça correspond à peu près à 80% de l'économie européenne. Donc on a la partie, par exemple, où on va faire le remplacement des combustibles fossiles par les énergies renouvelables pour la génération d'électricité. Il y a aussi la partie du secteur de transport. Dans ce cas-là, on va utiliser les véhicules à batterie. Cette batterie va utiliser l'énergie qui a été produite à partir d'énergie, va utiliser l'électricité qui a été produite à partir d'énergie renouvelable. Il y a aussi la partie des industries, donc pour l'utilisation des raffineries, des industries comme on le fait aujourd'hui. Mais il y a de l'autre côté à peu près 20% de l'économie européenne que c'est plus difficile de faire la décarbonisation. Donc dans ce cas-là, on a par exemple la production d'hydrogène pour faire les stockages, c'est-à-dire on va utiliser l'hydrogène pour faire cette réglage entre offre et demande d'électricité quand l'électricité est produite à partir d'énergie renouvelable. On a aussi il va être aussi utilisé dans les secteurs de transport. Par exemple, les véhicules à pile à combustible, dans ce cas, c'est surtout pour les poids lourds, même pour les bus, mais aussi pour les véhicules légers. Et finalement, dans les industries qui utilisent des procédés à plus haute température, où on ne peut pas faire l'électrification non plus. Donc là, je vous montre quelle est la participation d'hydrogène aujourd'hui. C'est à peu près 2%. Et c'est ce qu'on attend vers 2050. Donc l'hydrogène, il va correspondre à peu près à 15% de la matrice d'électricité en Europe. Et il y aura aussi une participation très importante des énergies renouvelables, à peu près 75%. Donc on va augmenter beaucoup la participation de l'hydrogène vert pour la production d'électricité dans l'Europe. Bon, combien ça coûte produire cet hydrogène vert-là? On a vu dans la première étude que c'était cher, mais il y a combien ça va coûter en 2030, 2050, dans les différentes phases qui ont été programmées pour cette étude-là. Bon,
Il y a plusieurs études et avec différentes propositions. Par exemple, dans ce cas-là, on a des scénarios pour l'hydrogène bleu qui on a deux prix différents de gaz naturel. Le premier scénario où on a un plus bas prix de gaz naturel et l'autre un plus haut prix de gaz naturel. Dans le cas d'hydrogène vert, on a trois scénarios. Le premier scénario où on a l'électrolyse qui utilise l'énergie solaire, qui c'est la plus bas énergie renouvelable aujourd'hui. Le scénario 2, on fait l'électrolyse, mais on utilise l'énergie éolienne offshore, qui c'est la plus chère aujourd'hui. Et le troisième scénario, on fait un mélange. On utilise une partie de l'énergie éolienne offshore, énergie éolienne onshore, et aussi l'énergie solaire. Donc, à partir de ce scénario-là, on arrive à ce graphique qui montre les coûts de production d'hydrogène aujourd'hui. Donc, on voit les barres vertes correspondent à l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu et l'hydrogène gris. L'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui à partir du reformage du méthane. L'hydrogène bleu correspond à ce même hydrogène produit à partir du reformage du méthane, mais qu'on a couplé une technologie de capture et de séquestration de carbone. On peut voir que l'hydrogène vert, il est plus cher n'importe quel scénario qu'on utilise. Donc, si on utilise l'énergie éolienne, si on utilise l'énergie solaire ou un mix de ce type d'énergie renouvelable, le prix final de l'hydrogène vert c'est toujours beaucoup plus cher que les technologies conventionnelles de production d'hydrogène aujourd'hui. Donc, par exemple, les coûts d'hydrogène vert, ça va varier entre 2,5 et 4 euros par kilo. Par contre, la production d'hydrogène bleu qui utilise les technologies CCS, il est beaucoup moins cher, environ 1 à 1,5 euros par kilo. Parce que le coût d'hydrogène vert, il va dépendre beaucoup du coût de l'électricité et aussi le coût de l'électrolyse. Donc, c'est pour ça qu'on a ces prix très hauts pour l'hydrogène vert aujourd'hui. Bon, mais au fur et à mesure qu'on commence à réduire le coût des électrolyseurs et aussi le prix final de l'électricité, des énergies produites à partir des énergies renouvelables, on va commencer à baisser les prix finaux de l'hydrogène. Et c'est ça qui arrive à 2030, par exemple, on voit qu'on a eu une réduction du prix de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, de l'hydrogène vert. Il y a un cas, par exemple, qui c'est celui qui a été produit à partir d'énergie solaire, qu'on arrive à obtenir une valeur finale d'hydrogène très peu, très proche d'hydrogène bleu. Donc, on commence à avoir une situation qui ça commence à être compétitive avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Et puis après, vers 2050, comme j'avais dit, on a une production d'hydrogène vert dans une grande échelle, donc on commence à baisser le prix d'hydrogène parce qu'on a une très grosse production d'hydrogène. Et on voit dans ce cas-là que l'hydrogène vert commence à être compétitif avec les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, les prix finaux d'hydrogène vert produits à partir d'énergie solaire, c'est les mêmes qu'on a en obtient pour la production de l'hydrogène à partir du reformage du gaz naturel aujourd'hui. Donc, on voit qu'au fur et à mesure qu'on fait les investissements pour faire la réduction du coût des technologies de production d'hydrogène vert, la réduction des prix de l'électricité produite à partir de l'énergie renouvelable, la réduction des prix de l'électricité et du coût de production des électrolyseurs, on va arriver à la fin à la réduction du coût de production d'hydrogène vert et qui va être donc compétitive avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Pour ces calculs-là, ils n'ont pas considéré les coûts de carbone, par exemple. Si cela pourrait aider beaucoup, par exemple, les prix de l'hydrogène vert, parce qu'il va augmenter les prix de l'hydrogène produit par la technologie actuelle. Bon, comme j'avais dit, la production d'hydrogène vert, elle dépend fortement de l'électricité. Donc, l'électricité correspond à peu près à 63% du coût total de production d'hydrogène vert à partir de l'électrolyse. Donc, si on arrive à baisser le coût des électrolyseurs, ça peut jouer beaucoup pour l'hydrogène vert. Par exemple, une tonne d'hydrogène vert, on aura besoin de 52 MWh d'électricité plus 10 litres de l'eau. Donc, pour avoir une idée de qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour qu'on puisse utiliser pour qu'on puisse produire l'hydrogène vert
qui correspond à tout l'hydrogène qui est produit aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 75 millions de tonnes, on devrait utiliser toute la capacité de production d'électricité aujourd'hui en Europe. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un défi qu'on a pour qu'on puisse vraiment utiliser l'hydrogène vert pour la production d'électricité et pour partout. Donc, à la fin, l'hydrogène vert sera le plus important consommateur d'électricité en Europe si on arrive à cet stade-là. Donc, les investissements pour le futur. Ici, c'est seulement pour vous montrer comment il y a des études et des suggestions. Et l'augmentation de l'hydrogène vert, en fonction des années, on voit que ça pourrait doubler ou même tripler sa participation dans la production d'hydrogène jusqu'à 2050. Et par rapport les marchés, on voit que, par exemple, les investissements, 65% des investissements vont être dirigé vers les énergies renouvelables. Donc, par exemple, pour le développement des électrolyseurs, pour l'augmentation de capacité de production de ces électrolyseurs. La plupart de ces investissements seront pour les énergies renouvelables. Mais il faut, comme j'avais dit aussi, il faut faire toute une reconfiguration du système d'infrastructure de distribution de l'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, on a l'infrastructure, elle est appropriée pour distribuer le méthane. Mais on ne peut pas ajouter de l'hydrogène comme ça. Il faut reconfigurer cette infrastructure. Par exemple, il propose qu'il y a à peu près 75% de tout le réseau d'hydrogène qu'il y aura dans l'Europe, il va être obtenu à partir du réseau qu'il y a aujourd'hui pour la distribution de méthane. Mais pour cela, il faut faire des changements, il faut aussi faire des études. Et ça va correspondre à un investissement raisonnable, hein, de 27 à 64 milliards d'euros, pour qu'on puisse utiliser cet réseau pour la distribution d'hydrogène. Ici, par exemple, il y a des études qui sont faites aujourd'hui pour qu'on puisse utiliser cet réseau qu'on a aujourd'hui pour la distribution de gaz naturel pour l'hydrogène. Par exemple, ici en France, il y a ce projet-là de démonstration Power to Gas et ils étudient la possibilité d'injection entre 6 et 20% d'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel résidentiel aujourd'hui en France. Bon, on va aussi utiliser l'hydrogène comme une espèce de stockage d'énergie, c'est-à-dire un backup power. Donc, parce que quand on augmente la quantité d'électricité qui est produite à partir des énergies renouvelables, on a un problème, comme j'avais dit, à cause d'intermittence, on a un problème entre l'offre et la demande. Donc, pour qu'on puisse maintenir ce balance-là, on va justement utiliser l'hydrogène vert. Donc, quand on a un excédent d'électricité, on va produire l'hydrogène vert à partir de l'électrolyseur. Et quand on a une demande plus forte, on va prendre cet hydrogène et on peut, par exemple, l'utiliser dans les turbines pour la production d'électricité. Donc aujourd'hui, il y a des études pour qu'on puisse utiliser les turbines qui sont utilisées aujourd'hui à partir de gaz naturel pour brûler, par exemple, l'hydrogène. Dans ce cas-là, on peut utiliser jusqu'à 20% d'hydrogène dans la composition du gaz sans qu'il soit nécessaire de modifications très, très importantes dans les turbines. Par contre, si on doit refaire la turbine, c'est-à-dire produire une turbine spécifique pour l'hydrogène, qui utilise l'hydrogène, on pourra bien sûr utiliser plus d'hydrogène dans la composition de gaz, à peu près 50%, mais par contre, les coûts de cette turbine sont encore très chers. Par exemple, une turbine qui a à gaz naturel, qui est modifiée pour l'utilisation d'hydrogène, le coût c'est à peu près 200 euros par kilowatt. Si on utilise une turbine nouvelle pour l'hydrogène, ce coût est beaucoup plus haut, environ 675 euros par kilowatt. Mais au lieu d'utiliser les turbines, on peut aussi utiliser des piles à combustible pour les utiliser comme des backups. Mais le problème, c'est que les piles à combustible sont encore très chères, c'est-à-dire aux environs de 250 euros par mégawatt-heure. Mais si on fait des réductions de coûts, par exemple, si on fait des économies d'échelle pour la production d'hydrogène vert,
si on arrive à réduire les coûts de production des piles à combustible, on peut avoir à la fin un coût d'électricité plus bas, aux environs 175 euros par mégawatt-heure, et ça commence donc à être compétitif avec d'autres technologies. Donc, je voudrais donc aller pour les conclusions. Et comme j'avais fait au début, je vais faire les conclusions aussi pour finir de la même façon. C'est-à-dire, je vais vous montrer l'évolution des véhicules. Donc, on a vu au départ qu'on pourrait utiliser les véhicules à hydrogène. Et cet hydrogène était produit à partir, par exemple, des déchets, à partir de biogaz. OK. Donc, c'était le futur en 1985. Mais pour les véhicules, l'histoire a commencé beaucoup avant. C'est-à-dire, aux environs 1769, le Français Nicolas-Joseph Cugnot, il a produit ses premiers véhicules qui utilisaient la vapeur. Donc, la vitesse, c'était 4 km par heure. Donc, si on marche, on va marcher plus vite que le véhicule roule. Mais à peu près 100 années après, il y avait Carl Benz qui va produire la première voiture qui utilise l'essence. Et en fait, cette voiture, elle roulait un peu plus vite, à 7 km par heure. Et à cette époque-là, il y a eu quand même une production de plusieurs véhicules, à peu près 572 unités, 12 véhicules, en 1899. Plus récemment, c'est-à-dire 1927, il y a Henry Ford qui commence à produire les Ford Model T. Et là, on a un changement complet pour les véhicules, parce qu'on a la modification de la façon de produire ces véhicules. Donc, on va diminuer les prix des véhicules quand on augmente l'échelle de production. Et ça arrive donc à qui toutes les personnes puissent acheter un véhicule. Avant, c'était trop cher et on n'était pas capable. Et aujourd'hui, on arrive à voir les véhicules comme les Formule 1 qui peut atteindre 300 km par heure et tout, avec toute l'électronique embarquée. Mais qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on commence à voir les véhicules à pile à combustible et hydrogène. Pour qu'on puisse arriver jusqu'à aujourd'hui, 2020-2021, il y a eu plus de 2 siècles et demi. Donc, je vois que l'hydrogène, il va être plus vite. On a encore pour ces propositions-là, des documents, par exemple, pour l'hydrogène de l'Europe, jusqu'à 2050, on a encore à peu près 30 années. Mais c'est rien quand on regarde l'histoire qu'on a pour le développement des véhicules, jusqu'à aujourd'hui qu'on a les véhicules, par exemple, à pile à combustible hydrogène. Donc, je suis sûr que le même parcours va arriver avec l'hydrogène vert. Et toute l'histoire qu'on a vue en 1985, qui aujourd'hui c'était le futur, né, le futur qui utilisait cet hydrogène vert, je vois que le futur vraiment est arrivé et je suis très content de pouvoir participer du développement de cette technologie-là. Bon, mais je voudrais comme ça vous remercier aussi le projet 4B9, que je suis là en France, le CCS, pour me permettre de travailler là-bas, aussi la région Hauts-de-France, métropole Mel, pour l'appui à mon travail ici. Et à vous aussi pour être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Fabio. Donc je sais pas si on m'entend. Donc, Oui, okay. Ils disent oui. Donc, merci Fabio. Donc, j'ai quelques questions qui ont été posées. Quel est, d'après toi, le principal verrou technologique pour développer encore l'hydrogène vert, etc. Oui, je crois que bon, il y a peut-être plusieurs aspects qui doivent être étudiés. D'abord, réduire le coût des productions d'électricité. Et ça va dépendre du développement des technologies d'électrolyseur. Donc aujourd'hui, on a les électrolyseurs à alcalin, les électrolyseurs à PEN, mais je crois qu'une nouvelle technologie comme la technologie de l'électrolyseur à plus haute température, ça peut aider beaucoup pour réduire les prix de l'électricité. Et ça joue beaucoup dans les prix finaux de l'hydrogène vert. Ça, c'est un point. Il y a aussi une partie importante que ça veut dire
l'échelle, c'est-à-dire on doit aussi augmenter l'échelle des électrolyseurs pour qu'on puisse aussi aider à baisser les coûts finaux de la production d'hydrogène. Donc, si on commence à avoir un marché pour l'hydrogène vert, et c'est pour ça que je pense que les marchés des véhicules à pile à combustible peuvent aider beaucoup, parce qu'il y a pas mal, il y a beaucoup, donc la consommation peut augmenter beaucoup. Et si on augmente la consommation, à la fin, on va augmenter l'échelle et on va réduire beaucoup les prix. Donc, c'est pour ça que je pense que la technologie des piles à combustible peut aussi aider beaucoup à la réduction du prix final de l'hydrogène vert et, conséquemment, l'augmentation de la participation de l'hydrogène vert dans les marchés d'hydrogène. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de... Donc, c'est bien développé au Japon, c'est bien développé aux États-Unis. Et est-ce qu'on a, nous, des technologies en Europe qui sont déjà utilisées en cours de... Je crois que ce programme-là qui a été proposé pour les prochaines années, c'est l'idée exactement de faire développer ces technologies-là. Il y a pas mal d'investissements à être faits dans différentes technologies. Et c'est pour ça que je pense qu'avec ces propositions-là, on peut arriver au même état qu'on a aujourd'hui aux États-Unis ou même au Japon. Donc ça, c'est sûr. Là, j'ai une question de Bruno Capouen qui demande est-ce que la construction d'électrolyseurs a un coût environnemental? Donc, est-ce qu'on sait l'estimer au niveau de l'extraction des métaux, des émissions en CO2? Bien sûr, il y a cette partie-là. Il faut aussi changer, par exemple, les électrodes. Les anodes, les cathodes, ils utilisent des métaux nobles. Donc, il y a des études qui sont faites aujourd'hui pour utiliser d'autres métaux moins chers, qui vont baisser les coûts, mais vont aussi avoir vont être more friendly avec l'environnement. D'accord. Oui, justement, c'était. Est-ce qu'on a une idée en fait de la baisse de production de CO2 émis que l'on va avoir en utilisant l'hydrogène vert par rapport à ce qui est actuellement, en comptant tout le cycle en fait? Oui. Je n'ai pas présenté, mais il y a des études qui considèrent exactement les cycles complets, les cycles de vie de la production et qui démontrent que l'hydrogène vert peut vraiment contribuer pour la réduction des émissions de CO2. Je n'ai pas montré, mais il y a des études sur ces sujets-là, oui. Et concernant le power to fuel, en fait, en France, on a le nucléaire. Est-ce que tu crois que le nucléaire permet justement de produire de l'hydrogène à moindre coût? Puisqu'on a, bon, elle s'est pas considérée comme renouvelable, mais comme la France est très nucléarisée, oui, donc dans la stratégie power to fuel en fait. Bien sûr, on peut utiliser l'hydrogène, l'énergie nucléaire pour la production d'hydrogène. Le problème c'est exactement cette discussion si c'est renouvelable ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a des études aussi, il y a aussi des projets de démonstration qui utilisent l'énergie nucléaire pour la production d'hydrogène. D'accord. Et donc il y a Francis Mélier qui pose une question. Donc d'abord, il te remercie pour ce très intéressant exposé. Et comme dans toute fabrication, il y a des risques. Donc quels sont les types de risques inventoriés a priori? Quelles sont les parades imaginées? Et au-delà de tout ça, quelle est l'acceptabilité sociale du passage, en fait, par exemple, du gaz de vide, du méthane, à l'hydrogène? Oui, l'hydrogène, c'est une histoire. Voilà, l'histoire de l'hydrogène, il y a l'explosion. Voilà, l'explosion des zeppelins dans le passé. Donc, tout le monde pense que l'hydrogène il est très dangereux. Mais, en fait, les questions de sécurité qu'on utilise pour les méthanes, pour les gaz naturels aujourd'hui, sont les mêmes pour l'hydrogène. Donc, à la fin, la sécurité qu'on a avec les gaz naturels dans un véhicule, c'est la même qu'on va avoir avec l'hydrogène. Mais c'est vrai que pour la population, il y a toujours cette idée de dangereux d'hydrogène, mais à la fin, c'est un gaz comme le gaz naturel qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Par exemple, dans des véhicules, tous les taxis à Rio aujourd'hui, ils utilisent le gaz méthane. On n'a jamais eu de problème d'explosion, quel que soit. Donc, pour l'hydrogène, je ne vois pas un gros problème aussi par rapport à cette partie de sécurité.
Et donc l'utilisation du réseau de gaz, en fait, donc qui va être étendu petit à petit jusqu'en 2050, est-ce que les autorités ont prévu, comment les autorités ont prévu justement le développement du passage du gaz naturel à l'hydrogène? Bon, d'abord, il y a ces études-là parce qu'on ne peut pas mettre directement hydrogène pur dans les gazoducs parce que il y a un problème d'embrittement de l'acier qui fait le gazoduc. Donc c'est pour ça qu'il y a ces projets de démonstration que je vous ai montré pour étudier quelle est la quantité d'hydrogène qu'on peut injecter dans les réseaux de gaz naturel sans avoir de problème avec les gazoducs. Donc mais c'est vrai que si on veut utiliser l'hydrogène partout, il va falloir aussi augmenter ces réseaux pour qu'on puisse l'utiliser dans toutes les villes. Et donc ça a un coût, c'est vrai. Parce qu'il faut dire que les prix final de l'hydrogène, la partie de l'infrastructure de distribution, ça correspond beaucoup dans les prix final de l'hydrogène produit. Et donc, moi j'ai une dernière question, c'est concernant la mobilité. Quelle est la pression estimée dans le cylindre d'hydrogène? Et moi j'avais vu qu'il y avait d'autres technologies avec des métaux comme le magnésium, etc., qui en fait absorbaient l'hydrogène et le rendaient disponible. Oui, il y a des études pour avec ces matériaux-là pour faire l'absorption d'hydrogène. Donc on pourrait avoir plus d'hydrogène dans les mêmes volumes. Donc aujourd'hui, je crois, et je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 600 bar, 700 bar, la pression d'un cylindre d'hydrogène. Mais je ne suis pas sûr, il faut regarder ça. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions sur le chat? Donc, non a priori. Donc, il nous reste encore à te remercier vivement pour cet exposé de qualité qui nous a fait un panorama. Moi, j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses, notamment le test au Japon, etc. Alors, j'ai encore une question et donc je vais la poser quand même. Donc, les énergies renouvelables permettent des utilisations locales qui viendraient se substituer à un réseau centralisé. L'hydrogène n'implique-t-il pas le maintien de la centralisation? Vous avez à peu près répondu après. Oui, parce qu'en fait, on va vers la décentralisation de production d'hydrogène. En fait, ça va être moins cher produire l'hydrogène localement que dans une grande centrale. D'accord. Donc, à la fin, ça va beaucoup changer. Par exemple, si on veut utiliser l'hydrogène vert dans une station de service pour les véhicules, il va être produit dans les stations de service avec un électrolyseur qui va être là, qui va donc produire cet hydrogène pour les véhicules. Ouais. Ça va changer beaucoup l'idée qu'on a aujourd'hui de production d'hydrogène. Oui, mais la production locale d'hydrogène implique une production centralisée d'électricité à un moment donné. Donc, parce que même si le renouvelable que l'on va venir brancher sur le réseau électrique, en fait, après, il va falloir tirer des câbles, etc., pour produire cette électricité. Donc, oui. C'est, bon, c'est là que joue le défi dans les est là, sens ouais. Contraire. Ouais. Mm. Peut-être. Tu vois. Ouais. Bon, moi, j'aurais vu des productions centralisées avec justement distribution dans un réseau type gaz, etc. Oui, mais par exemple, si on parce que on jusqu'au moment qu'on a un plus important réseau de distribution de gaz, jusqu'à ce moment-là, on va devoir produire l'hydrogène localement. Il n'y a pas d'autre choix. D'accord. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que cette distribution de gaz elle est partout, donc dans ce moment-là, peut-être la production centralisée pourra avoir lieu. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de choix, je crois. D'accord. Bon, ben. Encore merci. Bon, il y a beaucoup de remerciements hein, sur le chat. Donc, à moi aussi, je te remercie pour vraiment cet exposé.
ton expression en français qui est très 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 bonne, ne t'inquiète pas. Et donc avant de vous quitter, donc je tiens à vous remercier toutes et tous de votre participation. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 9 février pour la prochaine conférence du cycle énergie qui sera présentée par Madame Dani Duna, qui est directrice générale de la société Triselec, donc qui gère les déchets sur l'île, et donc qui nous parlera bien sûr du traitement des déchets, à la fois sous l'aspect énergétique environnemental, mais aussi sur les enjeux sociaux et sociétal. Je vous remercie et à bientôt. Merci. Bonsoir.